Et salut YouTube, comment ça va? Bienvenue, bienvenue pour la suite de Blasphemous. Nous étions aux prises avec un margoulin qui nous bouchait le passage du pont et on va essayer pour une fois de plus de se le faire. Mais il est fâcheux. Et surtout, je fais beaucoup de la merde. Alors, monsieur utilise la cocktail de foudre, il ramène sa sœur à un moment. Voilà. Je peux utiliser un petit peu mon slide pour le défoncer à ce moment-là. Sauf si je finis sur la foudre. Ah merde. Impatient. Et comme Dark Souls, c'est l'impatience qui tue. C'était pas mal ça. Je m'attendais pas à ce qu'il fasse ça. Si je pouvais arrêter de me jeter sur ses attaques, comme ça par exemple, ce serait vachement bien. Alors on a plus de fiole de vie, il va ramener ce raid pour 3 secondes. Voilà. Alors on va se débarrasser un petit peu du coin parce qu'on a plus de méchants. Allez merde. Bon. Bon. On reste calme. Je reste frais. Je reste zen. Thank you.
essayer de limiter la casse sur les premières phases. Être un peu plus patient. Pour l'instant, ça va pas trop mal. Ça allait pas trop mal. Évidemment. Quand j'arrive à lui placer un combo entier, ça fait mal quand même. Par contre, ses attaques électriques font super mal. Ça le corps à corps en tout cas. Comment je peux me faire toucher par ça, c'est ridicule. Ok, donc là, ce raid qui arrive. Quand je lui passe le combo entier, ça fait 10% de sa vie en moins quand même. Ah. Il n'y a quasiment plus rien. Bim! Eh ben! Youh! Requiem Aeternam. Il est autour du bonnet, le bougre. Vous avez acquis Taranto à ma sœur. What is it? Supplique aux orages poussés par les gorges sèches et les voix tremblantes. Invoque des rayons ardents qui crèvent les nuages et fauchent les ennemis proches. Ma sœur, ne me laisse pas, car je te porte dans mon sein et en mon cœur. Ma sœur, ne me laisse pas saigner, car je te porte dans ma poitrine et dans mon sang. Ma sœur, ne me laisse pas dans le silence, car je te porte dans mon sein et dans mon chant. T'es bio. Bon. Vu qu'on a botté le cul du bad, on va changer un petit peu notre inventaire pour se mettre sur un truc un peu plus sympa. Oui. Alors, le bouclier, non, on va rester sur la vitesse d'attaque, c'était très bien. Le linceul, on n'a pas besoin de changer. Là, on a du petit changement à faire. Les attaques électriques, on s'en fout. Les distances d'esquive, on s'en fout. Quand tu récupères de la santé, c'est bien. Ça j'essaie. Allez, augmente la défense, trop bien. On va rester là-dessus. Et on va franchir la porte. Bon, bah le combat était un petit peu tendax. Je pensais qu'on mourrait plus. Ça va encore à peu près. Et au moins, on aurait pu être embêté par les deux là. I feel my blood turning into black sap, and my aged skin into reddish bark. Ok, très bien. Il faut voir un dermato, monsieur. Rien par là. C'est trop calme. Rien par là. Cours n'est pas silencieux. Those you have removed from punishment were Perpetua and Esdras.
foundling siblings who went on to be part of His Holiness God. It was said that Perpetua could speak to her brother even after death. For twisted are the paths of the miracle. Ouais, je sais pas si elle pouvait lui parler après la mort, mais je te confirme qu'elle était relou. Il y a des trucs qui ont des tronches étranges. Sur ce sol sacré, je serai en sécurité. Ils n'entendront ni mes pas ni ma peur. Le miracle désirait que les oranges de ces arbres n'évoquent aucun écho dans leur chute, afin que l'on n'entende que le vent entre Kellon et les contreforts. Et à présent, je n'entends que les cris horribles de ceux que le miracle a punis. J'attendrai patiemment. J'ai glissé, chef. Oui, je veux pas le nier. Deux fois, le roi du saut. Ridicule. 36e mort. Ok, ils font pousser des trucs, lui. Ok. Ouf, c'est pas passé loin. Alors, par contre, est-ce qu'on a moyen de monter? Non, on va leur passer par l'autre côté. Commencer à esquiver, ce serait bien aussi. Bordel! Les pyriques! Attention! Si on fait ça, ça va passer. Oui. Les passages de plateforme, c'est vraiment mes trucs préférés. C'est bien si je vais me faire tous les pièges à con. Voilà. Qu'est-ce que je disais? Tout ça pour une relique débile. Fibule de Risp le rôdeur. Risp l'écume était connu pour ses randonnées nocturnes dans les bois. Il affirmait que cela l'aidait à réfléchir à ce qui était au-delà. Au-delà même des volontés supérieures. Saloperie hérétique. Même après la mort, tu continues de piquer. Alors... il va falloir trouver ce qui sert à faire pousser cette espèce de plante.
T'as vraiment le roi d'esquive sur ce coup-là, hein. Des graines d'olive. Ah, c'est peut-être pour le truc des oliviers. Un bulbe blanc comme l'os, très difficile à trouver. Non, c'est pas ça, c'est ça. Qu'est-ce qu'on a vu là, ça me déchire. Ouais. Une poignée de graines d'olive soigneusement conservées. Une noix d'olive fut écrasée en un onguent gras qui a sa place dans toutes les sacoches du guérisseur. Confession de Tirso, quatrième partie. Pendant l'une des nuits où le jeune homme agonisait au milieu de ses terribles tremblements fébriles, tandis que les blessures qui affligeaient son corps continuaient de s'étendre, je m'approchais de lui, si catastrophé que je le pris dans mes bras. En larmes, je déposais un baiser sur son front. Alors que je sentais l'ardeur de son front contre mes lèvres, je remarquais que le jeune homme ouvrait les yeux et me regardait, son agonie apparemment levée. Ils se font des bezous et ça va mieux. Ça va encore mieux. Faire tomber. Et en dessous, il y aura des pics. Non, il y a une espèce de vase dégueu. Ouais, chérubin. On sait toujours pas ce qu'ils font, hein. Cool. N'empêche que je l'ai eu. 38ème mort. Tout va bien. C'est quoi? Ah, c'est ma culpabilité que j'ai pas récupéré. Je laisse des morceaux de moi un peu partout. Oh, ils sont chiants, ça. Ouais. Allez, sans douter. Je commence à être tard, je commence à plus être concentré. Est-ce que je me cherche des excuses? Oui, un peu. C'est salaud parce que ça m'empêche de regarder plus bas ce qui se passe. Et il y a des pics. Oh, le vieux. Penitent one, heed my confession. Cowardice taketh root inside of me in the face of this new test by the grievous miracle. Who are we pilgrims, if not sinners, who have chosen wandering as the gentlest of penances? Oh, let my bent back cover my tears. Ok. Hop, hop, hop. Qu'est-ce que c'est que ce machin? Ok, je peux pas lui monter dessus. Il fait drôlement bobo. Qu'est-ce que c'était que cette bidule?
très bonne question. Those screams, thou hast purged my fears and helped this poor pilgrim. Eh ben, du monde va plus qu'un, hein, grand. We have chosen different roads, but still, absolution awaits at the end of the path for thee and this sinner. Wherever it is, near or far, in this life or on the other side of the dream. Merciful be the heart, penitent one. Une grosse orteil de gris. Heureusement, chaque fois qu'il me file un truc, hein. Qu'est-ce que ça fait? L'orteil de la statue du premier pèlerin au pied nu. Ce gros orteil, il laissa sa marque sur les chemins secrets. Donne une nouvelle impulsion à l'air. Ouh, le double saut. Il ajouta une authentique pèlerin en géniflexion aura toujours les mains liées dans le dos lors de ses voyages, car seuls les pieds devraient lui importer. Telle est notre règle. Mais pas du tout en fait. Merde et merde. Je peux pas grimper à ça, non. Bon, du coup, cette espèce de truc de double saut, je sais pas comment utiliser. On va remettre la défense en attendant. Et ça sent le nouveau boss. Copain! The knot of the three words. Here, et que je me dis que c'est pas tant copain que ça. Miracle took place. One devout and tormented youngster. Asked the High Will for punishment. He placed a wooden log where he sat and prayed. He prayed hoping to be heard. He prayed for pain, so he could ease the guilt that sharply pierced his soul. Then, the miracle manifested itself. It made roots grow and twist over his arms and legs. But not a cry nor a complaint came out from his mouth. Every inhabitant of this land bore witness to it. And all of them prayed before the besotted eternal joy of that youngster. This triune tree that sprouted years after his death was named the Knot of the Three Words. For three are its twisted trunks, and three were the words spoken by that youngster before he died. My great guilt. Every year from its core flows a golden burning liquid, perpetuating his memory and perhaps to remind us that the first miracle has not abandoned us. For twisted are, were, and will be. The paths of the miracle. Ok. The knot of the three he placed. He oui, prayed. Non, it made tu, every non, c'est ce que tu as déjà dit. This triune tree that's every for twist. Je vous demande de vous arrêter. Quelque chose me dit que José le pénitent là, il va nous arnaquer. Il a l'air bien trop content de ce qui se passe. Ok, donc il y a des encensoirs. Ils vont faire mal s'ils me touchent, je suppose. Un chandelier qui cache un mur. Hop. Bien de ferveur, c'est parfait. Je pense qu'on est arrivé dans une espèce de hub. Oh,
bibliothèque des Monies. Je les ai entendus lire. Ils marmonnent les écrits interdits. C'est un murmure constant dont les échos, une fois insinués dans mon esprit, refusent d'en sortir. Je sais que ma curiosité finira par me tuer, si ma folie n'y suffit pas. Hello Tancred, comment ça va? Tu quittes KCD pour voir ce jeu très sympa. Eh oui, bah on reste dans le Moyen-Âge et dans la punition des hérétiques. Oula, j'allais pas venir. Bim. Là, vous commencez à taper mon go, un petit peu chiant là, les gars. T'as bien avancé dans Kingdom Come? Joli finish. Hein. T'en es où de l'histoire de Henry? Le bestiaire est un peu plus classique à Kingdom Come. Oui! Ah, il est surtout beaucoup moins fantasy. Elle est quand même assez étrange. Proche. Enfin, un moyen de passer à l'étage. Je viens de me faire le Ingre du premier coup. Je rappelle plus, le Ingre, c'est pas le méchant, c'est pas le boss final. Enfin, c'est pas le gros... C'est pas le gros avec son armure que t'affrontes dans l'église. Celui qui tue papa. Ouch. Les décors sont vraiment très beaux. Ah, je tente la gruge, mais ça ne marche pas. Si, c'est lui. Ah, d'accord. Alors, Pribislavitz, tu le tues, ça. Oui, celui qui prend son ton épée. L'épée de papa. Le salaud. C'est marrant qu'ils aient... qu'ils aient fait exprès que ce mec, il ait un point faible tellement évident. Le mec, le méchant, l'a fait, il a pas de casque. Vous êtes un peu trop la confiance. Nous avons acquis une améthyste consacrée. Une gemme qui diffuse un intense arôme d'encens. Dans la mer des mers, les élégants encensoirs étaient remplis de pierres précieuses et de perles, consacrées par leur vapeur. Cette améthyste provient du plus grand de ces encensoirs et sa bénédiction protège son porteur contre des attaques magiques. Prenez tous les bijoux, toutes les pierres précieuses, tout l'or de ses coffres pour le sacré, pour aujourd'hui. Nous revêtirons le saint et élèverons son corps au plus haut. Le mec qui met pas de casque, la masse d'armes et paf, pastèque. Non mais c'est vrai, à quoi servait un casque au Moyen-Âge de toute façon? Salut les amis. Combien d'autres prières le grand encensoir désire-t-il? Quand cela sera-t-il? Quand cessera son oscillation? Quand pourrons-nous nous redresser? Baissez la tête, fermez les yeux, priez, et ne vous relevez pas. C'est quoi cette espèce de grand machin qui se balade? Ah, ça pique! C'est bon à savoir. Tu as eu plus d'éléments sur l'histoire du jeu? Bah pas vraiment. On a vu l'endroit où avait eu lieu le premier miracle. Ça les relou, cassez-vous! Barrez-vous qu'on demime! Ok, bon, le truc du grand encensoir, on va se le tenter. Ça me semble une mauvaise idée. Il y a peut-être un moyen de l'arrêter dans son balancement avant. Je vais explorer ce lieu.
Non, des éléments sur l'histoire du jeu, pas vraiment. Oui, c'est bien ce que je pensais. Si tu te prends un encensoir, ça pique. Ça va nous permettre de redescendre, ouais. C'était pas exactement ce que je voulais faire, mais c'était utile. Eh, monsieur l'arbitre, il y a faute là, il m'a pas tapé. Ah, je vais crever. Non, non, l'histoire est encore assez obscure. Je me suis trompé de gâchette! Et c'est ainsi qu'il mourut pour la 39e fois. Sur une erreur de bouton. Ouais, parce que tout ce passage vers le haut qui avait l'air intéressant. Donc non, des éléments super... en plus, on n'en a pas vraiment eu. C'est très décousu en fait comme narration. C'est assez classique des jeux à Dark Souls finalement, où il faut beaucoup lire les... description d'objets ou ce genre de choses pour en savoir un petit peu plus sur l'univers et où le scénario est jamais vraiment bien défini et où il y a beaucoup de place pour interprétation. C'est juste que visiblement le premier miracle n'a pas fait que des contents. Mais ça on sait. Ah mais t'as fini lui. Les curés de nos jours, avec son petit aiguillon. On a découvert des endroits étranges, mais ça nous en a pas dit beaucoup plus sur l'histoire. X. On se prend une potion parce que ça commence à faire mal. Ah, ça gratte. On n'est pas allé voir à droite. Ouch. C'est pas vrai ça. On est complètement défoncé. Ah, tiens. T'as l'air tout triste, mon gars. Oh, my sins. Is a long journey filled with reflection not enough? What of the calluses on the feet, the cramps in the legs, the thirst, the forehead scorched by a sun that seemeth never to set? And what about the torturing of the mind when guilt pierceth our hearts time after time? What more punishment do ye want, O sins of mine? Okay. Thou art before the first pilgrim, the first of the barefoot rule, master of all errant sinners. This old limestone statue was erected where the pilgrimage of the master ended, where he took his last step.
It was then that the miracle carried him in its arms so he could continue his path on the road of the old processions. Barefoot Master, what else dost thou want from me? Ok, donc il a fini son pèlerinage et visiblement il a l'air moyennement jouasse. Très content. Donc du coup on a préféré explorer le haut pour l'instant. Mais on avait toute la partie du bas là-bas vers la bibliothèque des Mauniers qu'on devra explorer. Le ménage, ça, ce truc, hein. Alors, cette fois-ci, on va garder notre cerveau. J'allais dire globalement allumé, mais c'est déjà raté. Ouais, il y a un passage en bas. Il y a des mecs là-bas. Ah, c'est pas vrai, la hitbox est chiante. Les maps font penser à Metroid, ouais, tout à fait. Ça rappelle Metroid, Castlevania, tout genre de choses. On sait où ils ont pioché leur inspiration. Je vais crever comme un débile sur un truc de plateforme sans danger. Non mais de où il me touche là, c'est... jamais. Changement de design. Et si on allait explorer vers le bas? Parce que là on était passé comment par contre? Le teubé. On va essayer d'explorer la bibliothèque. D'abord, moi. Alors, on lui avait déjà causé. Ok, des petites espèces de spectres, quelque chose me dit que s'ils nous touchent, ça va mal se passer pour nous. On peut pas les cogner en plus. Portail, c'est très bien. Peut-être se récupérer le portail. Source de pitié, on n'avait pas grand chose à y faire. Par contre, ça peut nous ramener là-bas. Et là-bas, il y a pas mal de choses. Et on pourrait retourner à Albero. Parce qu'à mon avis, à Albero, j'en ai des trucs à faire. Les effets sont jolis, hein. Albero. Il y a un portail Albero. Ah oui. J'ai jamais fait gaffe qu'il y avait un portail ici, donc très bien. Bouquet de thym. Enfin, ça va être pour la confrérie de je sais plus quoi. La confrérie de la bonne cuisine. On leur a déjà ramené du romarin. Attaque dévastatrice plus rapide. Nye. La fente elle est mieux. Attaque verticale pour finir le combo. Pas grand chose d'intéressant pour l'instant. On va se prendre la fente améliorée.
Ça sert pas mal. Pourquoi je fais ça? C'est une très bonne question. On va déposer nos reliques. On commence à avoir un peu en nombre. C'est pas un passage, non. On commence à en avoir des morceaux de Maccabée. Alors j'espère qu'il faut pas tous les ramasser ou un truc comme ça. Ce serait un petit peu longué. Surtout, je sais plus où ils sont. Donnons de l'encens à l'ail. Merciful be, penitent one. With your contribution, the work of this brotherhood carries on. Ok, les larmes d'expiation, très bien. Les graines d'olive, on donne aussi. Servent à quoi les reliques? Je ne sais pas. J'en ai aucune idée. The work of this brotherhood carries on. Encore des larmes d'expiation. Un bouquet de thym. Ou de thym, hein, comme les amateurs de cuisine disent. Merciful be, penitent one. Et... The virtuous... À quoi ça sert tout ce que tu m'as filé? Très bien. Je ne sais pas. Toi, le convertisseur d'objets pourris, t'as bien un truc à me faire faire? Bring me anything that... Non. Ok. Qu'est-ce qu'il nous reste? On peut aller là-bas pour convertir je sais plus quoi. Ah mais si, on peut se faire un nouvel emplacement de rosaire, donc ça c'est bien. Ça nous permettra d'améliorer un petit peu nos capacités. C'était pas ça que je voulais faire, c'était ça, voilà. Confrérie de chagrin silencieux. Au-dessus. On avait acquis une paire moyenne de cire bleue, très bien. Oui, je vais donner un autre rosaire. Hop là, j'en avais qu'un seul, ouais. Alors, ferveur ou vitalité. Quatrième orteil, le temps de rechargement de l'esquive, on l'a déjà activé. Essence vitale des ennemis, pas mal. Les attaques magiques. Les toxines, on s'en fout. On va pouvoir un petit peu voir la vie qu'ont les ennemis. C'était quoi au-dessus? Un truc pour récupérer ma culpabilité, ça m'arrangerait pas mal. C'est exactement ça. Oui. Voilà. Il est ici, c'est parfait. Alors, parlons peu, parlons bien. La bibliothèque des Moniers, c'est pas mal. On va un petit peu améliorer nos capacités.
On va le sauvegarder pas si loin que ça. Enfin, on est sauvegardé Olbero, je crois, donc on va se faire avoir si on le fait. Ouais, en effet, vous faites mal. Tigon. Même quand vous êtes mort, vous êtes chiant. Et hop, 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 hop. Non, c'est pas là. On va sauvegarder et puis on va commencer à explorer la bibliothèque. Puisque visiblement les encensoirs, on a un problème avec eux. Un problème principalement basé sur mon incapacité à regarder des sprites. Ok. Nous voilà repartis à l'aventure. Est-ce que je viens de perdre la moitié de ma vie à cause de trucs? Oui. Ils aiment pas qu'on marche dans les feuilles, hein. Tu vas me saouler à tous les coups si je fais ça. Ah non, il a des livres boomerang. Par contre, du coup, maintenant je vois la vie des ennemis, c'est pas mal. Ok, donc toi t'as décidé de me gaver. Hein. Mais t'as plus porte de l'épée. En tout cas, les livres sont plus chiants que les lames. Oui. Active-toi. Comment je t'ai trop feinté? Donc je sens que cette bibliothèque, ça va être un ramassis de relou. Il y a un tintement de clés. Il y a un tintement de clés et un hôtel de sauvegarde. Si ça, ça sent pas le boss. This sound does not cease. It creeps on these forgotten walls and no one can determine its origin or its obscure destiny. For the love of the High Wills, silence it, for I have long yearned for it. Ok. Le maître des clés, passe-partout. Et... Là, il y a les fantômes, évidemment, qui s'énervent quand on touche les livres. Le sacrum du sorcier noir. Ok. Fondateur de la bibliothèque des Monies, ce prêtre était surnommé l'Obscur. On le prit à pratiquer la sorcellerie au milieu des cris païens. Salaud. Oh, ils vont bombarder.
pas mal l'idée des fantômes qui deviennent vénères uniquement si on marche dans les livres. Excusez-moi. J'en ai réveillé le choix. Ouais. C'est pas ce que je comptais faire. 15 sur 38. On continue de sauver des chérubins. On sait toujours pas ce qu'ils font, mais quand même. Mais du coup, je peux plus accéder à eux. Bravo le veau. Ah oui, comme ça. Hop là. Hop. Et le roi des énigmes. Ouais, par contre, on peut pas encore accéder à celle d'en haut. Un hôtel de culpabilité. Il manque toujours cette espèce de truc qui permet de... Non. Finalement, on va tous les prendre. Je crée ici, non. C'est pas très beau, mais ça marche. Oui, c'était pas vraiment le résultat escompté. Ah, d'accord. Si vous arrivez à faire ça avec un livre, merci de nous écrire sur papier libre. D'accord, ça va me gaver. Voilà. Voilà. Ah oui, d'accord, c'est la version vénère des Godhunters. Rebonjour. Vous m'aviez pas manqué. Alors, il y a des plateformes de sang à gauche. J'ai pas de quoi aller en haut, par contre, je peux aller en bas. Les relous sont de retour. Ça c'était trop prévisible. Oui.
Bon, on n'est pas obligé de tous se les faire non plus. Bonsoir. Ouch. Cool, augmentation de vie. Take the necks of my deep pain. Ça va servir. Les amis des fantômes, on va pas trop les provoquer, on va éviter de marcher avec les bouquins. On va pas avoir un passage secret à tous les machins, ça se verrait. Okay. Tiens sage et tout ira bien. Et encore du. Encore de la plateforme. Un livre d'anatomie ouvert sur l'extraction d'un fémur. Un tibia. Une rotule. Ça nous fait une belle jambe. Je suppose qu'il faut le lire dans le bon sens. Tibia, fémur, rotule. Non. Mais non, fémur, rotule, tibia, jambe. Ok. Ça ne fait rien. Et si on fait tibia, rotule, fémur? Ça ne fait rien non plus. On trouvera peut-être la solution à cette énigme plus tard. On va déjà se débarrasser des malandrins qui doivent traîner dans cette salle. Encore lui. Alors, il y a des plateformes de sang, très bien. Il y a un mec qui fait une drôle de tête. Ok, c'est l'amélioration de... Oh le relou. Ok. Et évidemment, je ne peux pas atteindre ce truc. La plateforme. Ok, lui il a pas l'air d'aller très bien, mais qu'en haut. On va le laisser à ses petits problèmes pour l'instant. Ok, donc toi tu vas me griller la tronche si je te laisse faire. Eh ben on est pas passé dans la correctionnelle. Ouais, chérubin. Pas de passage secret. Non. On peut récupérer un petit peu de vie en pétant des livres. Un mécanisme vers une porte, je viens de sauter n'importe comment. J'ai eu peur, j'ai cru qu'il y allait y avoir des pipiques. Un hôtel de sauvegarde, et c'est là que nous allons nous quitter, chers amis. Merci d'avoir suivi ce nouvel épisode de Blasphemous. Nous allons bientôt continuer notre exploration. D'ici là, YouTube, je te dis à la prochaine. Fais ce que tu fais habituellement avec tes vidéos, et des bisous. Salut !